rero twavugaga mu kanya perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron amaze kujya hano muri village urugwiro yakiriwe na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame rero urugwiro hakaba arimo kubera umuhango wo kwakira icyubahiro kibukwiriye umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Votre Excellence, la date de donner des rangs composée des éléments de la force de défense rwandaise avec la section des drapeaux et de la compagnie musique alignés en des rangs deux par deux 188 hommes en face présents et prêts pour votre inspection Votre Excellence, la date de donner des rangs est passée sous les ordres du major Hubert de Cameron, Votre Excellence. Emmanuel Macron wagize n'uruhare rukomeye cyane mu kuzahura imibanire akaba yakiriwe mu cyubahiro cy'umukuru w'igihugu wasuye u Rwanda bakomeje kubivuga ko na mbere yo guhaguruka yanditse ko uruzinduko ari ikimenyetso cyangwa se ari intambwe cyangwa se ari paji nshya mu mibanire y'u Rwanda n'Ufaransa ndetse na Afurika muri rusange. Thank you.
Votre Excellence, l'inspection est terminée. Puis-je avoir votre permission de continuer avec la garde d'honneur, Votre Excellence. Faransa kimenyetso gikomeye cy'uko muri bwa bukungu bw'indimi u Rwanda rukoresha harimo ni Igifaransa yumvikana ko ari ururimi rwumvwa neza na president w'u Faransa ndetse n'intumwa bari kumwe president w'u Faransa rero Emmanuel Jean Michel Frédéric Macron akaba ari kumwe na president w'u Rwanda Paul Kagame bakaba rero bagiye gusuhuza intumwa z'ibihugu byombi bakaba bahereye ku ntumwa zaturutse mu gihugu cy'u Faransa ndabona president Emmanuel Macron agenda yerekeza mugenzi w'u Rwanda intumwa bari kumwe hanyuma n'amabwiriza yo kwirinda covid arakurikizwa haba muri byose ariko no mu gusuhuzanya yandamukanyo nyine yamamaye kubera covid niyo iriho gukoreshwa bakaba rero bagenda basuhuza intumwa z'ibihugu byombi nyuma yo gusuhuza intumwa z'u Faransa no kumurikirwa abazanye na President Emmanuel Macron noneho rero President Kagame agiye kwereka mugenzi we w'u Faransa bamwe mu bagize ubuyobozi bw'u Rwanda harimo abaministre ndetse n'abayobozi b'inzego z'umutekano ku nzego zitandukanye ndabona President Macron agenda abasuhuza nyine bwa buryo bwo kwirinda covid bakabanza bakavugana gatoya ubundi akava kuri umwe ajya ku wundi niwo rero muhango uriho kubera ahangaha mu biro by'umukuru w'igihugu muri village urugwiro mu ruzinduko rw'amateka rwa president w'u Faransa Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron cyangwa se Emmanuel Macron niwo muhango uri kubera ahangaha mu biro by'umukuru w'igihugu muhango ufatwa intambwe ikomeye mu gufungura page nshya mu mibanire y'u Rwanda n'u Faransa ibihugu byombi byemeje kumva kimwe amateka yabitandukanije amateka ashingiye kuri genocide yakorewe abatutsi ariko bakavuga bati tugomba kureba imbere tugomba kugira imibanire nanone ishingiye ku bwubahane tukigobotora ibihe by'amateka aha rero muri village urugwiro niwo muhango uri kubera ahangaha ndetse uyu muhango navuga ko ari ubimburiye ibikorwa byinshi biteganijwe uyu munsi birimo nyine gushimangira iyo mibanire n'ubutwererane bw'u Rwanda n'u Faransa ndabona rero perezida w'u Faransa avuye aho yakirwaga mu cyubahiro ariko aracyaganira mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ubwo rero umuhango wagize ahangaha wo kwakira perezida w'u Faransa Emmanuel Jean-Michel Macron akaba ageze ku musozo n'umuhango mu by'ukuri ukomeye cyane mu mateka y'imibanire y'ibihugu byombi ya page nshyashya ishimangiye n'uruzinduko rwa perezida w'u Faransa Emmanuel Macron wakiriwe mu cyubahiro cy'umutwe ubishinzwe mu ngabo z'igihugu nk'uko mwabikurikiye rero haririmbwa indirimbo z'ibihugu byombi yakirwa mu cyubahiro umuhango wakozwe mu rurimi rw'igifaransa abimenyereye murabizi yuko kenshi byajyaga bikunda kuba nko mu cyongereza rero biragaragaza yuko ibaruka ndetse ni na rumwe mu ndimi zikoreshwa zemewe n'Itegeko Nshinga rero ni umuhango waberaga ahangaha rero ku makuru dufite ni uko ubungubu perezida w'u Faransa Emmanuel Macron aza no kugera ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali akunamira inzirakarengane za Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse akaza no kugira ijambo avuga rero mu benshi nyuma y'imyaka 27 genocide yakorewe abatutsi ibaye akaba ariwe mukuru w'igihugu w'u Faransa ugiye kuvuga ijambo rikomeye hano kuri site ya Gisozi aya ni amateka benshi bategereje ni amateka akomeye uzarakozwe uruhare
bw'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi ni benshi babikozeho ngo rero président Emmanuel Macron tugiye kumva seul celui qui a traversé la nuit peut la raconter. Ce sont ces paroles, empreintes de gravité et de dignité, qui résonnent dans ce lieu, ici, au mémorial de Guy Sozi, à Kigali. Raconter la nuit. Ces paroles convoquent un insondable silence. Le silence de plus d'un million d'hommes, de femmes, d'enfants qui ne sont Ngo rero président Emmanuel Macron tugiye kumva seul celui qui a traversé la nuit peut la raconter. Ce sont ces paroles, empreintes de gravité et de dignité, qui résonnent dans ce lieu, ici, au mémorial de Guy Sozi, à Kigali. Raconter la nuit. Ces paroles convoquent un insondable silence. Le silence de plus d'un million d'hommes, de femmes, d'enfants, qui ne sont plus là pour raconter cette interminable éclipse de l'humanité, ces heures où tout s'est tu. Elle nous raconte la course éperdue des victimes, la fuite dans la forêt ou dans les marais. Ce lieu leur restitue tout ce dont on avait tenté de les priver. Un visage, une histoire, des souvenirs, des envies et des rêves, et surtout, une identité, un nom, tous les noms, gravés un à un, inlassablement, sur la pierre éternelle de ce mémorial. Ibuka, souviens-toi. Ces paroles nous font entendre aussi la voix de ceux qui portent la plaie de cette nuit, ceux qui portent la blessure béante d'avoir été là et d'être encore là. Ceux dont nous n'avons écouté la souffrance ni avant, ni pendant, ni même après. Et c'est peut-être là le pire. Survivants, rescapés, orphelins. C'est grâce à leur témoignage, à leur courage, leur dignité, que nous mesurons combien il ne s'agit pas de chiffres ou de mots, mais de l'irremplaçable épaisseur de leur vie. Ces paroles disent une tragédie qui porte un nom, génocide. Elles ne s'y réduisent pas pour autant, car il s'agit bien d'une vie avec tous ses rêves, un million de fois fauchés. Un génocide ne se compare pas. Il a une généalogie, il a une histoire, il est unique. Un génocide a une cible. Les tueurs n'ont eu qu'une seule obsession criminelle, l'éradication des Tutsis, de tous les Tutsis, des hommes, des femmes, leurs parents, leurs enfants. Cette obsession a emporté tous ceux qui ont voulu y faire obstacle, mais elle n'a jamais perdu sa cible. Un génocide vient de loin. Il se prépare. Il prend possession des esprits, méthodiquement, pour abolir l'humanité de l'autre. Il prend sa source dans des récits fantasmés, dans des stratégies de domination érigées en évidence scientifique
Il s'installe à travers des humiliations du quotidien, des séparations, des déportations. Puis se dévoile la haine absolue, la mécanique de l'extermination. Un génocide ne s'efface pas. Il est indélébile. Il n'a jamais de fin. On ne vit pas après un génocide. On vit avec, comme on le peut. Au Rwanda, on dit que les oiseaux ne chantent pas le 7 avril, parce qu'ils savent. C'est aux hommes qu'il appartient de briser le silence. Et c'est au nom de la vie que nous devons dire, nommer, reconnaître. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises, n'avaient pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice. Le sang qui a coulé n'a pas déshonoré ses armes ni les mains de ses soldats qui ont, eux aussi, vu de leurs yeux l'innommable, pensé des blessures et étouffé leurs larmes. Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. En s'engageant dès 1990 dans un conflit dans lequel elle n'avait aucune antériorité, la France n'a pas su entendre la voix de ceux qui l'avaient mise en garde. Ou bien a-t-elle surestimé sa force en pensant pouvoir arrêter ce qui était déjà à l'œuvre? La France n'a pas compris qu'en voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire. En ignorant les alertes des plus lucides observateurs, la France endossait alors une responsabilité accablante dans un engrenage qui a abouti au pire, alors même qu'elle cherchait précisément à l'éviter. À Arusha, en août 1993, la France pensait, aux côtés des Africains, avoir arraché la paix. Ses responsables, ses diplomates, y avaient œuvré, persuadés que le compromis et le partage du pouvoir pouvaient prévaloir. Ces efforts étaient louables et courageux. Mais ils ont été balayés par une mécanique génocidaire qui ne voulait aucune entrave à sa monstrueuse planification. Lorsqu'en avril 1994, les bourreaux commencèrent ce qu'ils appelaient odieusement leur travail, la communauté internationale mit près de 3 mois, 3 interminables mois, avant de réagir. Et nous avons tous abandonné des centaines de milliers de victimes à cet infernal huis clos. Au lendemain, alors que des responsables français avaient eu la lucidité et le courage de qualifier le génocide, la France n'a pas su en tirer les conséquences appropriées. Depuis, 27 années de distance amère se sont écoulées. 27 années d'incompréhension, de tentatives de rapprochement sincères mais inabouties. 27 années de souffrance,
pour ceux dont l'histoire intime demeure malmenée par l'antagonisme des mémoires. Alors, en me tenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. C'est ainsi poursuivre l'œuvre de connaissance et de vérité que seule permet la rigueur du travail, de la recherche et des historiens. Et nous le poursuivrons encore en soutenant une nouvelle génération de chercheurs, de chercheuses qui ont courageusement ouvert un nouvel espace de savoir, en souhaitant qu'aux côtés de la France, toutes les parties prenantes à cette période de l'histoire rwandaise ouvrent à leur tour toutes leurs archives. Reconnaître ce passé, c'est aussi et surtout poursuivre l'œuvre de justice. En nous engageant à ce qu'aucune personne soupçonnée de crime de génocide ne puisse échapper au travail des juges. Reconnaître ce passé, notre responsabilité, est un geste sans contrepartie. Exigence envers nous-mêmes et pour nous-mêmes. Dette envers les victimes après tant de silence passé. Don envers les vivants dont nous pouvons, s'ils l'acceptent, encore apaiser la douleur. Ce parcours de reconnaissance, à travers nos dettes, nos dons, nous offre l'espoir de sortir de cette nuit et de cheminer à nouveau ensemble. Sur ce chemin, seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner. Nous faire le don, alors, de nous pardonner. Dibuka. Je veux ici, en ce jour, assurer la jeunesse rwandaise qu'une autre rencontre est possible. N'effaçant rien de nos passés, il existe l'opportunité d'une alliance respectueuse, lucide, solidaire, mutuellement exigeante, entre la jeunesse du Rwanda et la jeunesse de France. Et c'est l'appel que je veux lancer ici. Bâtissons ensemble de nouveaux lendemains. Préparons ici, pour nos enfants, de prochains souvenirs heureux. C'est le sens de l'hommage que je veux rendre à ceux dont nous garderons la mémoire, qui ont été privés d'avenir et à qui nous devons d'en inventer un.